le coup d'envoi qui vient d'être donné par l'arbitre international Olivier Safari. Et c'est là, c'est Kapako qui mène le ballon jusque-là. Kabacha, il joue directement avec Olivier Bandou. Attention, devant la surface de réparation, c'est Olivier Bandou qui va tenter la frappe. Olivier Bandou qui n'était pas loin de l'ouverture du score. Attention, Kinande pour Trésor Mafuta. Trésor pour Alain Mangapi. Trésor Mafuta qui joue, il trouve Alpha. Attention, il n'y a pas position de hors-jeu. C'est peut-être l'ouverture du score. C'était la balle du match. Les ballons toujours pour l'équipe de Kapako. Trésor Mafuta, il fallait plus de ballons. Trésor Mafuta, très bon dans ses gestes techniques. Il revient vers Kinande qui va tenter de centrer pour personne. Attention, Yenga Song qui trouve Alain Mafuta, Alain Mangapi plutôt. Le doyen qui va tenter de jouer directement mais qui n'aura pas à trouver le cadre. Intervention de Kinande, c'est Gilly Lusenge pour Yves Lileko Foué. Foué, qu'est-ce qu'il va faire? Il va trouver Gilly. Le centre de Gilly, attention, il s'est jeté, il n'y a pas but. Attention, Klaus Aiba qui frappe. Le ballon qui a traîné dans la surface de réparation de l'AS, plutôt de l'AS Kapako. Olivier Safari qui regarde sur son chrono. Voilà, c'est la fin de 45 premières minutes ici au stade de l'Unité. Très cher ami sportif, 0 pour l'AS Kabacha, 0 pour l'AS Kapako. Le match est encore jouable pour toutes les deux équipes qui jouent pour le titre. C'est la grande finale du championnat provincial édition 2017-2018. C'est parti pour les 45 dernières minutes ici au stade de l'Unité. 0 pour l'AS Kabacha, 0 pour l'AS Kapako. Le jeu se poursuit alors que les deux équipes s'observent encore et tous nous attendons à le but de l'ouverture du score. Gilly Lusenge. Gilly Lusenge. Gilly Lusenge qui a de l'espace pour Claude Saïba. Attention, la frappe de Claude Saïba. La toute première frappe cadrée de la deuxième période à la seconde trébassiale. Trésor Mafuta qui peut encore jouer ce ballon face à Olivier Bandou, face à Alain Mangapi. Thierry Kassereka qui récupère le ballon intelligemment. Il joue avec Patient Kemboa. Pour qui? Peut-être Claude Saïba qui se relance. Il y a Foué. Très bonne intervention de Kinande. Applaudissements du public de ce Virunga. Attention! Avec ce ballon sifflé par l'arbitre Olivier Safari. Un coup franc en direct pour l'AS Kabacha. Il faut faire attention avec les Nzombo le soir. Des réparations de cette équipe de l'AS, de l'AS Kapako. Le ballon se joue. Le portier qui est placé, le coup franc est à venir. Ça sera un corner à suivre. Le tout dernier corner. Le ballon n'a pas pu être cadré. Très cher ami sportif. Le tout dernier corner de la partie, c'est déjà presque terminé à 9 secondes. Patient pour le corner. Attention, la tête de Bastia là pour personne. Patient qui peut encore, pourquoi pas rebondir. Oui, il a centré. Pour qui? C'est terminé. Très, très cher ami sportif. C'est terminé ici au stade de l'Unité de Goma. Il va falloir une séance fatidique des tirs au but pour départager les deux équipes. Ce bloc arbitral qui est constitué de M. Olivier Safari comme arbitre central. Maïche Chebakungu, l'arbitre assistant 1. Il y a également Léon. Il faudra savoir qui d'entre ces deux équipes va s'interposer pour cette séance de tir au but. Raté de Samy. Samy qui vient de rater son premier tir. Je l'ai dit, le Football Club Coopérama avait loupé son penalty. Le premier face à ses gardiens. Et voilà Samy qui vient de trouver
la barre transversale pour son premier pénalty. Gina. Qui réussit à marquer? Patient. Et voilà, il vient de réussir son tir. Herve va tirer le pénalty pour là c'est Capaco. C'est fait. Très bien transformé. Gilly face à Didier. C'est fait. Contre-pied parfait. Pour Gilly Lusenge. Troisième pénalty également pour Capaco. Rodrigue qui a très bien. Yves Lille Kofoé. Qui va également louper. Il va louper son pénalty. Qui sera rejoué. Yves Le Kofoé. Et voilà, c'est fait. Penalty de la victoire. Le penalty de la victoire pour l'équipe de l'AC Capaco. Le penalty de la victoire. C'est raté. C'est raté. Masiala, c'est fait. Et voilà. Trésor Mafuta, il a été auteur d'un très bon match. Auteur d'un très bon match. Est-ce que ça sera lui qui va donner la victoire à l'équipe de Capaco? S'il marque, ça sera la fin. Mesdames et messieurs, amis sportifs. Le pénalty de la victoire. Et voilà, c'est parti. C'est parti. Capaco Mutuka Munene, c'est fait. Le pénalty a été transformé. C'est terminé. Mesdames et messieurs, amis sportifs, Capaco, qui est sacré, l'équipe championne de la province du Nord Kivu. C'est que bon. C'est selon notre stratégie, c'est seulement l'entraîneur qui nous a dit d'observer un peu l'adversaire et puis attaquer, mais ça n'a pas tenu pendant les 90 minutes de jeu. Mais on vient de réaliser par le tir au but. Oui, c'est ça notre ambition, notre objectif, c'était d'être champion et puis pour atteindre la Lina Foot. C'est ça notre objectif et c'est ça que nous préparons alors de la Lina Foot quoi. Bon, ils ont raison parce qu'ils viennent de remporter ce match par tir au but. Ils n'ont pas démérité quand même, ils sont venus jouer. Comme ils viennent de remporter, ils sont super que nous. Je n'ai rien à dire. Témoin de l'événement, c'est son excellence monsieur le ministre, Barthasien Rekanyamanda, aux côtés de qui se trouve le président de la Ligue du football du Nord Kivu, les chefs de division provinciale. Et voilà, les joueurs, les champions du Nord Kivu sont en train de défiler. Sont en train de défiler
devant les officiels. Et voilà, mes sportifs, c'est fait. L'équipe de Kapako qui vient de soulever son brevet avant de recevoir la coupe. C'est d'abord le brevet qui vient d'être remis par la foot, alors que la coupe sera remise par le ministre provincial de sport, son excellence Balthazar Kanyamanza, qui vient de procéder à la remise de cette coupe. Et voilà, c'est fait. Voilà. De l'unité de Goma. Après, aujourd'hui, nous avions assisté à la finale de ce championnat. Et c'est l'équipe de Kapako de Beni qui vient d'arracher cette coupe ici dans la ville touristique de Goma. Après une finale fortement disputée face à l'équipe de l'AS Kabacha, l'équipe locale. Et voilà, après un score nul et vierge de 0 but partout, après les 90 minutes de temps réglementaire, il a fallu une étape fatidique de tir au but pour que l'équipe de Kapako s'impose ici sur cette pelouse à Gazo synthétique de la ville de Goma. L'équipe de Kapako est sacrée championne de la province du Nord Kivu et va devoir représenter cette dernière à la prochaine coupe, plutôt à la prochaine Ligue nationale de football, à l'INAFOOT dans sa dimension Ligue D. Après, mesdames et messieurs, merci à vous tous qui nous avez accompagné depuis le début jusqu'à la fin. Je dis merci au comité exécutif de la Ligue de football du Nord Kivu. Je dis merci à toute la presse mobilisée pour la couverture. Et là, particulièrement à la commission presse de la LIFNOKI, Roger Monga, Dieu Boyongo, Jonas Badera, Isaac Mastaki ainsi que JB Kinani. L'équipe était au complet avec tous les autres confrères qui nous ont prêté main forte pour faire en sorte que cette grande messe sportive ici dans la ville de Goma puisse être effective. Donc nous remercions tout le monde et on va se retrouver très prochainement pour la suite de l'évolution du football, non seulement de la ville de Goma, mais de la province du Nord Kivu.